Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, no, there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best things life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut les filles. On va parler maintenant du prochain thème qui arrive, mais avant, je voulais vous remercier, enfin on voulait vous remercier avec Gribouille pour le thème qu'il y a eu, donc le deuxième Tago Inc. qui était donc défendre une cause qui nous tient à cœur. Il y a eu beaucoup de participation, combien on en a eu au total? Une cinquantaine. À peu près, d'accord, bon, à peu près une cinquantaine. Franchement, c'était super intéressant du coup de voir un petit peu les différentes causes, enfin tout ce qui vous tenait un petit peu à cœur. Enfin après voilà, encore une fois, c'est ce qui est intéressant dans le tagging, c'est que c'était parfois plus en profondeur, des fois c'était un petit peu plus en surface. On a vraiment eu quand même, on a eu tout, hein. Même si quand même la cause quand même qui est revenue le plus souvent, c'est vrai que vous êtes quand même beaucoup à avoir mis en avant la cause animale, et ça se comprend, c'est ce qu'on a eu le plus, je crois. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai qu'après, voilà, on a eu vraiment de tout, enfin, vraiment, ça fait super plaisir, merci du fond du cœur, toujours accompagné donc d'une jolie mise en couleur, enfin voilà, ça fait vraiment super plaisir, et puis ça permet toujours de se découvrir un petit peu plus, donc voilà, un grand merci. Est-ce que tu voulais changer quelque chose pour au niveau du, enfin pour le troisième tagging en ce qui concerne la récupération des images des colos? Non, faut surtout que j'oublie pas de mettre le tagging et puis de nous liker et puis d'envoyer les colos quand c'est bon, parce qu'il y a des colos qui n'ont pas le tagging et qui n'en est pas tagué, donc c'est compliqué des fois. Ben, disons que là en fait voilà ce qui s'est passé, donc si jamais il y a des colos qui sont venus en manquer dans la vidéo, donc on est vraiment désolé, mais sachant que voilà, Gribouille en tout cas elle a récupéré tous les colos qui ont été envoyés par mail, donc l'adresse mail qui figure sur toutes nos vidéos, donc à la base c'était ça, à chaque fois qu'il y avait une participation, de l'envoyer par mail pour être sûr justement de ne pas les louper, sachant qu'au final elle en a reçu très peu, donc toutes celles qu'elle a reçues évidemment la sur moitié, la boîte, quoi, j'ai reçu la voilà, elle devait en recevoir voilà, à peu près la moitié. Donc voilà, en tout cas, toutes celles qu'elle a reçues par mail, elles y sont. Après, elle a dû aller malheureusement un petit peu à la pêche,
comme à la pub pour essayer de les récupérer, faire un imprimé à cran. Enfin, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, si jamais parmi ces colos qui n'ont pas été envoyés par mail, il y en a qui sont passés à travers, ben, du coup, on est vraiment désolé, mais pensez vraiment à envoyer pour le prochain thème, pour celles qui participeront ou ceux, de l'envoyer par la boîte, enfin, sur la boîte mail, parce que ben, c'est beaucoup plus simple pour Gribouille de les récupérer et de faire le montage derrière, quoi. Donc voilà pour ce deuxième thème. En tout cas, franchement, on espère que ça vous aura plu. Encore une fois, la vidéo montage et tout, c'était vraiment cool. Et puis ben là, je vais vous parler du troisième thème sur lequel on a envie de partir. On va parler de vos peurs. Alors, moi, ce qu'on aimerait, c'est que du coup, dans vos mises en couleur, vous nous parliez de vos peurs. De ce qu'il vous faut. Alors, encore une fois, on peut rester une fois de plus en surface ou vraiment des peurs qui sont vraiment très profondes, sachant qu'il y a quand même une chose qu'on va éliminer quand même d'emblée, c'est qu'évidemment, enfin, évidemment, je pense que pour beaucoup de personnes, quand on parle de ce qui nous quelque chose qui nous fait vraiment peur, généralement, on va, en tant que peut-être parent, forcément, perdre son enfant, c'est quelque chose qui nous terrifie. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, enfin, la perte d'un proche. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'on va éliminer d'emblée, parce que je pense que sinon, il y aura quand même énormément de choses qui vont se centrer sur la perte d'un enfant ou d'un proche. J'ai Ou vraiment d'un envie, animal. hein? Ou d'un Oui, ou animal. d'un animal. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va quand même éliminer, parce que C'est la peur de c'est l'accouchement, évident. du coup. C'est voilà, à moins qu'on. Mais bon. Voilà, c'est vraiment quelque chose, la peur de perdre un être qu'on aime, cette peur, on l'a tous, je pense. Donc voilà, on va pas, ça c'est quelque chose qu'on va éliminer. Après, j'ai vraiment envie qu'on parle de quelque chose de plus personnel, en fin de compte, de plus profond. Donc alors, ça peut partir dans les phobies, ça peut partir, je sais pas moi, la peur du vide, La peur de l'eau. la peur de l'eau, la peur de mourir, tout simplement. Je sais qu'on n'a pas tous le même rapport vis-à-vis de ça. C'est peut-être quelque chose qui terrifie plus certaines personnes que d'autres. D'autres peut-être. Enfin voilà. Donc du coup, voilà, la peur de l'isolement. La peur d'une attaque de moustique. Ouais. Et pourquoi pas? La peur de l'isolement, mais aussi peut-être, on pourrait parler la peur de. Enfin ouais, tu vas me dire, ça se ressemble un peu, mais la peur d'être abandonné, tout simplement, enfin de se retrouver seul. La peur des gens, c'est un nom aussi, ça. Je me rappelle L'agoraphobie. l'agoraphobie, par exemple. Enfin voilà, ça peut vraiment. Vous pouvez vraiment parler d'une peur qui est vraiment en vous, quelque chose de très profond. Comme, je sais pas, moi, je vais vous prendre un exemple en vrai pour moi. Moi, je vois une araignée, je me chie dessus d'une araignée. Voilà, ça c'est quelque chose. Bon, mais ça fait partie d'une de mes peurs. J'en ai pas qu'une, hein, donc j'ai pas dit que je partirais sur celle-là. Je vais quand même réfléchir un petit peu. Je vais essayer quand même de partir peut-être personnellement sur quelque chose de plus profond. Mais si vous avez une peur bleue, des araignées, des moustiques ou je ne sais quoi, enfin voilà, ça fait partie de vos peurs. Donc voilà, vous pouvez vraiment rester sur quelque chose de très en surface, on va dire, comme si vous voulez parler vraiment de quelque chose de plus profond, évidemment. Vous pouvez. Voilà. Donc pour ce troisième thème qui se finira. Mai, juin, bah fin juin, donc pareil, quelques jours avant juin, avant juillet, quoi. Quand Donc, on reste le montage. ok. Donc voilà, on a jusqu'à là pour. Donc bien évidemment, vous pouvez faire plusieurs participations. N'oubliez pas, bien évidemment, aussi de ben, nous expliquer un petit peu ben, cette peur, hein, le rapport que vous avez avec cette peur. Enfin, peut-être même d'où ça vous est venu, si vous le savez. Enfin voilà, de développer par rapport à ça, de nous expliquer un petit peu cette relation que vous avez avec cette peur, voilà, ou ces peurs, si vous faites plusieurs participations. Voilà, et je rappelle aussi, bien sûr, pour celles qui en ont envie ou ceux, c'est que vous pouvez, rien ne vous empêche de participer au premier et au deuxième thème, même s'ils ne sont plus d'actualité. Simplement, bon, ben, les vidéos montage, on n'en fait qu'une par thème, donc bon, ils apparaîtront plus dans un thème. Et s'il y a vraiment un thème que vous avez loupé, ou si vous avez été à la bourre, pour le finir en temps par rapport à la vidéo montage, en soi c'est pas grave, n'hésitez pas quand même à les mettre, à nous taguer, etc., à faire comme si le thème était actuel, parce que ben, en soi rien n'empêche de participer à un thème
qui est déjà passé, il n'y a vraiment aucun problème. Donc n'hésitez pas si jamais c'est le cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on va tout récapituler dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, donc voilà, on va tout récapituler. On a encore des idées un petit peu, enfin voilà, sur quoi on va partir encore une fois pour les prochains thèmes. On est au milieu de l'année, fin de l'année, du moins des tagouings, quoi. Il va y en avoir 6, là on va attaquer le troisième, donc la moitié. Donc voilà, nous on va déjà commencer à réfléchir à la suite. On a quand même des idées, on a des pistes, on verra bien sur quoi on part. En tout cas, j'espère que celui-là vous plaira. J'ai hâte un petit peu de voir, d'aller fouiller un petit peu, voir ce qui se passe au niveau de vos peurs. Ça va être intéressant en tout cas. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit dans une prochaine vidéo. Et voilà, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Des bisous. À bientôt.